Continents intérieurs par Philippe Renaud. Aujourd'hui, visage du féminin sacré en compagnie de Michel Cazenave. Même si en Occident c'est d'une divinité masculine, dont on s'est longtemps servi pour témoigner du tout autre à jamais inconnaissable, du divin par-delà les genres, les mythologies des nombreux peuples de la Terre, ainsi que l'histoire, montrent à quel point ce choix d'une divinité masculine est loin d'être universel. Qu'il s'agisse de mères divines, ou bien de principes féminins divins en conjonction avec leur pendant masculin, ou bien encore de déesses aux amours tumultueux, c'est toute une palette des modalités du féminin sacré à travers les âges et les lieux qui s'offrent à notre contemplation. De Michel Cazenave, on connaît sans doute l'intérêt passionné pour ces manifestations sous les traits du féminin, de l'abîme insondable du divin. On lui doit d'ailleurs un ouvrage tout à fait passionnant, publié l'année dernière et dont nous avons emprunté le titre pour cette émission, « Visage du féminin sacré ». C'est en sa compagnie que nous allons explorer quelques-unes de ces manifestations, tout en essayant de comprendre pourquoi, dans notre histoire en Occident, à l'exception notable de la Vierge Marie, ce que l'on pourrait aussi appeler le féminin transcendant fut pour ainsi dire relégué dans l'inconscient de la culture, confiné dans certains courants de pensée marginaux. La Vierge Marie, dont le statut dans les doctrines officielles des églises chrétiennes n'a cessé d'évoluer sous la pression populaire, jusqu'au dogme de l'Assomption en 1950 dans le catholicisme, mais sans jamais égaler celui d'une déesse, alors même qu'elle hérite en quelque sorte des caractéristiques et de la ferveur vouée à certaines déesses de l'Antiquité, comme par exemple l'Artémis d'Éphèse. On pourra par ailleurs se demander si le regain d'intérêt depuis quelques décennies dans nos contrées pour le féminin, en particulier lorsqu'elle s'accompagne d'une expérience religieuse ou spirituelle, n'augure pas la réapparition et la montée en puissance de formes symboliques centrées sur le féminin, aptes à médiatiser l'abord que nous avons du sacré, aptes aussi à renouveler la conscience que nous en avons. Au moment de faire ma retraite de confirmation, puisqu'à l'époque, évidemment, tout le monde faisait sa communion solennelle et tout le monde faisait, recevait la confirmation, et je regardais les jambes des filles en montant l'escalier. Et je me rappelle un père qui me dit « Oui, alors là, tu sais, c'est pas très bien. » Je lui dis « Oui, mais et si Dieu était dedans ?» Alors, bon, je me servais de Dieu parce que j'étais en milieu chrétien, mais c'est vrai que j'ai toujours cru en une déesse. Et je me rappelle, à l'âge de 12-13 ans, j'ai lu Chi de Rider Haggard, celle qui doit être obéie, si on peut dire. Et ça m'a immédiatement convaincu parce que, effectivement, il y avait cette espèce de féminin sacré que l'on voit dans une prêtresse d'Isis, dans une femme d'aujourd'hui, puis dans une femme au Tibet, et dans laquelle ça me semblait absolument évident. Mais vous dites, j'ai toujours cru une déesse, mais vous parlez au plan symbolique, au niveau de réalité symbolique. Ben, c'est-à-dire qu'il m'a fallu, et c'est là qu'il y avait vraiment une épreuve psychologique, il m'a fallu comprendre que ma mère de chair, ma mère génétique, disons, n'était pas la déesse. Bon, ce que beaucoup de gens confondent. Mais effectivement, il m'a fallu, à travers une grande épreuve mélancolique, apprendre à les différencier l'une de l'autre. Et à me dire, la déesse, c'est une idée, c'est une structure, d'une certaine manière, ce n'est absolument pas ma mère.
Bon, c'est-à-dire que, vous savez, la fameuse phrase d'Oscar Wilde, en gros, lorsque nous sommes enfants, nous admirons nos parents, à 18 ans, on se dit qu'ils sont cons, et puis il arrive vers 40 ans qu'on arrive à leur pardonner. Donc là, j'ai effectivement pardonné à mes parents. Et j'ai particulièrement pardonné à ma mère de ne pas être la déesse. Mais là, je pense que c'était une différenciation qu'il fallait absolument faire. Ne pleurez plus, ô vivant, car Ishtar est joyeuse. Ses grands yeux de béryl sont glacés de bonheur, et les crânes qui dansent sur le rond de sa taille, ils arrachent à la lune d'un claquement de leurs dents des morceaux d'éternité. Il est bon de mourir quand l'hiver est venu. Si on ne descend aux enfers, d'où le grain renaîtrait à la tiédeur du printemps? Et Vénus, à nouveau dans le champ des étoiles, ouvrira ses deux voies à la soif torturante de se fondre dans l'ombre. Mais quelle serait la lumière s'il n'y avait le royaume de la nuit et du rêve? Michel Cazenave, fragment d'un hymne. Qu'il faille se détacher du maternel en tant que tel. Ça, j'en suis entièrement d'accord. Mais je ne pense que ce n'est qu'une partie du chemin. C'est-à-dire qu'il faut en même temps plonger dans le féminin. Lorsque je parlais de la terreur des hommes, de leur terreur, dans le vagin des femmes, dans leur jouissance, de découvrir quelque chose d'autre, de cette manière. C'est quelque chose qu'il faut assumer en tant que tel. C'est-à-dire comment on passe à travers la mort. Mais ce que les Indiens savaient très bien, lorsqu'ils parlent de la déesse Kali, par exemple. Bon, la déesse Kali qui est absolument épouvantable, parce qu'elle a un collier de crâne autour de la ceinture, elle a la langue pendante du sang qui lui coule, etc. Ils savent très bien, il suffit de lire le Mahatmyadevi, la célébration de la grande déesse, pour savoir que ce sont les dieux qui se battent contre les pouvoirs maléfiques. Les démons. Disons. Enfin, les démons. J'essaie d'éviter le terme, justement, pour ne pas être trop chrétien. Donc, contre les pouvoirs maléfiques et les dieux qui n'y arrivent pas. Et donc, ils font appel à la grande déesse. Ils font appel à Kali. Et Kali, elle est effectivement... Elle a cette rangée de crâne. Elle a le sang qui lui coule des lèvres parce que elle s'empare des pouvoirs maléfiques. Elle les broie, elle les mange. De cette manière. Mais, précisément, c'était. Si vous lisez L'île Ashoka de Malputar, dans le narcissisme d'Akali, il le dit bien, que c'est précisément l'aspect maléfique de la mer qu'il faut arriver à dépasser. Donc, les Indiens savaient très bien que, effectivement, la mer pouvait avoir de multiples visages, et que l'aspect noir de la mer, évidemment, il existe. Comme tout archétype a sa face d'ombre, je dirais. Toute mythologie a sa face d'ombre. Et qu'il faut traverser cette face d'ombre et qu'on ne débouche à la lumière. Est-ce qu'on peut définir la lumière sans ombre?
ça, je suis perplexe, disons. Mais on ne peut déboucher sur la lumière que si on a traversé l'ombre, que si on a traversé la mort, et la mort à soi-même, de sa manière. Et c'est là où, précisément, l'homme doit faire aussi l'épreuve, je dirais, dans sa vie quotidienne, de la petite mort qui doit être traversée, précisément, pour aboutir à autre chose, pour renaître à autre chose, de sa manière. Mais ce qui n'est possible, donc, si je comprends bien, en fait, qu'à partir du moment où il y a eu la séparation avec la mère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rencontrer le féminin de l'éros tant qu'on ne s'est pas séparé de la mère. Ah ben ça, je suis bien d'accord. Puisque sinon, on rencontre toujours, on rencontre toujours la mère. On doit s'être séparé. Non, mais si je me rappelle, c'est ce que dit Jung dans les Métamorphoses de la Bête et Symbole, qu'on doit produire, on doit effectuer un inceste, mais un inceste symbolique. Autrement dit, on doit s'unir avec la figure de la déesse mère, non pas avec sa mère, précisément, parce qu'on a différencié les deux stades. Et qu'ensuite, on doit procéder à un sacrifice. On doit procéder à un sacrifice, c'est-à-dire que précisément, cet inceste symbolique, c'est un inceste divin qui renvoie à ce que disait Deleuze, qui s'est beaucoup inspiré de Jung là-dessus. Ça, j'en avais parlé avec Deleuze, il me disait simplement en France, il ne faut pas le dire. Bon, mais qui disait quand même que l'inceste tel qu'il est interdit cache l'inceste tel qu'il est désiré. Or, le véritable inceste, me semble-t-il, celui qui est véritablement désiré, c'est l'inceste avec la mère symbolique, précisément. Mais à condition de s'en défaire ensuite, à condition de renoncer à soi-même, de renoncer à la toute-puissance que cela donne, c'est-à-dire, à nouveau, une traversée symbolique de la mort. Ça passe par une phase mélancolique, disons, de grande dépression. Ouais. De grande dépression, c'est-à-dire la manière dont on renonce à ce que l'inceste avec la mère symbolique. Je dirais, à la limite, c'est le sommet de l'exaltation du moi. Moi, j'ai eu relation avec la mère, avec la déesse, de cette manière. Et de savoir qu'on n'en a rien reçu. Et qu'on doit se renoncer en tant que tel. Et que ce n'est que lorsqu'on sera renoncé en tant que tel que l'on découvrira les vrais pouvoirs de la déesse, de cette manière. C'est-à-dire, précisément, lorsqu'on entre dans un domaine que l'on ne peut pas spécifier en tant que tel. Mais à condition de se rappeler toujours que la déesse avec qui on s'unit, de cette manière, ce n'est jamais que la manifestation du divin au-delà de tout. Sans jamais l'oublier. Et cette renonciation est un acte de volonté consciente? C'est un acte de volonté consciente à condition que ça s'accompagne, je dirais, d'un acquiescement inconscient. Et ça, malheureusement, l'acquiescement inconscient, il ne se commande pas. Il vient ou il ne vient pas, c'est tout. On ne peut pas aller à contre-courant d'inconscient. Non. Non, mais là, je pense qu'on doit avoir justement un duo de la conscience et de l'inconscient. Précisément. Et que uniquement un des deux ne suffit pas. Comme je dis tout le temps, vous avez le droit de croire en tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'est une pétition de l'inconscient. À condition que vous en ayez conscience. Autrement dit, que l'inconscient et la conscience aillent toujours ensemble. Et de la même manière que l'inconscient ne peut pas aller sans la conscience, me semble-t-il, la conscience ne peut pas aller sans l'inconscient, si elle n'est pas en accord avec lui. Vous parliez de Kali, par exemple, tout à l'heure. Dans la Katha Upanishad, il y a écrit « Tous les êtres vivants sont la nourriture de Dieu et la mort est son condiment. » Alors c'est incroyable, comme nous, en fait, dans notre civilisation, on a versé tout le négatif du côté du diable, on va dire. Oui, mais à condition de se rappeler que le diable est une invention très récente. Autrement dit, c'est une invention du 1er siècle, premier siècle avant Jésus-Christ. Parce que le diable, Satan, son nom, il faut quand même se rappeler que ça dérive d'un Saïtan originel, et que Saïtan, c'était un des noms de Dieu. C'est-à-dire la manière dont Dieu se mettait en travers de notre chemin, de manière à nous forcer à aller plus loin que ce que nous étions allés. Mais c'est là, en même temps, nous avons complètement divisé. Il y a le Dieu d'un côté, il y a le diable de l'autre. Et je me dis, quand même, si la lumière et l'ombre entrent en combat
réel, si on ne se rend pas compte qu'il y a d'ombre que parce qu'il y a de la lumière, il n'y a de lumière que parce qu'il y a de l'ombre, est-ce que nous n'avons pas perdu quelque chose ? On est vraiment allé dans un dualisme total, dualisme, en fait. Exactement. On a remplacé ce que j'appelle la dualitude par le dualisme. Il est d'ailleurs curieux que le diable, en fait, soit masculin. Parce que, mais finalement, ça paraître, c'est Lilith. Paraître, c'est Lilith, oui. Encore que Lilith, on l'avait largement oublié. Il a fallu attendre les travaux de Joël de Gravelaine pour qu'elle revienne sur le devant de la scène. Mais c'est tout le temps Lilith en tant que lune noire. C'est tout le temps, justement, c'est la femelle. Non, mais d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est de prendre les textes de la Kabbale originelle, quand il parle de Lilith. Parce qu'on voit très bien que Lilith était la première compagne d'Adam, avant même Ève. Et Lilith avait une très mauvaise habitude, c'est qu'elle faisait l'amour sur Adam. Et on voit Adam qui va se plaindre au Seigneur en disant, tu te rends compte, la femme qui me domine, c'est pas possible. Et le Seigneur est bien d'accord en disant, c'est pas possible, effectivement. Donc, on élimine Lilith. Ben oui, mais et pourquoi ? C'est-à-dire, il y a cette idée, précisément, je ne suis pas le maître. C'est vous, c'est qu'après, elle a même joué des tours à Satan, puisque après elle trompait Satan. Ben oui, bien sûr. Non, mais c'est la femme la plus exécrable qui soit. Mais en même temps, c'est la manière dont traditionnellement, nous sommes imaginés les femmes. Enfin, moi, j'étais élevé encore dans une société dans laquelle, effectivement, les femmes, c'est des moins que rien. Elles n'avaient qu'à faire exactement ce que... Je me rappelle très bien, quand j'étais enfant, quand mon père rentrait du travail, il s'allongeait sur le lit, les pieds en dehors du lit, et là, il fallait que ma mère se mette à genoux devant lui et lui défasse les souliers. Parce que ça allait de soi, de cette manière. Autrement dit, la femme était au service de l'homme. Et je me rappelle un jour où je m'étais mis en colère, je dis à mon père, quand même, tu n'as pas honte. Il dit, mais ça fait plaisir à ta mère. Alors je me retourne vers ma mère, je lui demande, est-ce que ça fait réellement plaisir ? Elle me répond, oui. C'est-à-dire, à quel point les femmes avaient elles-mêmes intériorisé les valeurs sociales, de cette manière, qui avaient cours. Et il me semble que c'est à ça que nous devons renoncer aujourd'hui, précisément. Vient d'un démon assyrien, et c'est là où on voit très bien que la Syrie, Babylone, c'était entre Dieu et déesse, et c'était la prise du pouvoir des dieux peu à peu. C'est-à-dire, Lilith, c'est quand même une démone, et Lilithou en babylonien, ça veut dire la nuit. C'est-à-dire le moment où on passe d'une femme solaire à une femme lunaire. Bon, et pour nous, ça va de soi. Je vois, quand je parle avec mes amis astrologues, souvent ils disent, du moment, la lune, c'est l'aspect féminin, le soleil, c'est l'aspect masculin. Je leur dis, en êtes-vous tellement sûr ? Je rappelle par exemple une phrase de Malraux au moment où il part en expédition vers la reine de Saba, mais c'est ensuite, quand il est fait allusion dans l'anti-mémoire, il dit, qu'est-ce que c'était que ce peuple à la sexualité tellement trouble, dans lequel le soleil était une femme et la lune était un homme ? Et de dire quand même que ça a été souvent ça. Et lorsque je parlais d'Isote, on voit très bien comme Isote est entièrement solaire. Isis. Vraiment. Isis, c'est... Isis, elle est solaire. Ah oui. Et c'est Osiris qui est l'homme lune. C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas obligé de renverser ce que nous avons tellement affirmé, c'est-à-dire que la femme n'est que le reflet de l'homme, est-ce que ce n'est pas l'homme qui n'est que le reflet de la femme ? Parce que de cette manière, la lumière de la lune, et ça fait très longtemps qu'on le sait, la lumière de la lune n'est que la lumière réfléchie du soleil. De cette manière. Alors, évidemment, si c'est le masculin ou le féminin qui est solaire, c'est pas exactement la même chose. Mais je me demande, et c'est ce que je reproche beaucoup à Jung, parce que je me rappelle dans le Mysterium, un passage dans lequel il parle de la femme solaire, et trois lignes en dessous, il parle de la femme lunaire, à nouveau. Et c'est là où, avec Isis, on est obligé de faire attention. Parce qu'on voit comme Isis, dans les textes des pyramides, est solaire, et comment... avec Plutarque et Apulée, c'est-à-dire à la période gréco-latine, comment Isis va devenir lunaire.
précisément. C'est-à-dire qu'elle est le reflet d'Osiris. Même lorsque je prends l'interprétation du conte d'Apulée par von Franz, qui dit qu'à travers Isis, on doit découvrir Osiris. On doit découvrir précisément la merveilleuse intelligence masculine. Je dis, est-ce qu'il ne serait pas temps de renoncer à ça ? Et de se dire, après tout, il y a une forme d'intelligence masculine, il y a aussi une forme d'intelligence féminine, complètement différente. Mais que les anciens Grecs connaissaient très bien. La déesse métisse, la déesse ce que j'appelle l'intelligence sensible, l'intelligence adaptée à la situation concrète, les Grecs savaient très bien ce que c'était. Si on en croit Marie-Jarry Moutas, les sociétés de l'ancienne Europe jusqu'au 3e millénaire avant notre ère étaient des sociétés matristiques, c'est-à-dire non pas des matriarcats ou des gynécocraties, comme certains l'ont cru à la suite de Bachofen à la fin du 19e siècle et jusqu'à peu près au milieu du 20e, mais des sociétés qui, en termes de partage de pouvoir entre hommes et femmes, étaient relativement équilibrées. Toujours d'après Marie-Jarry Moutas, c'était des sociétés qui ne faisaient pas la guerre, qui étaient pacifiques, et qui vouait un culte à la déesse mère, à une déesse mère. Est-ce que cette hypothèse d'un culte à la déesse mère, dès le paléolithique, vous semble plausible, sachant qu'elle a tout de même été critiquée par certains archéologues, et non des moindres ? Non, mais c'est-à-dire que là, le problème, c'est que je suis très réticent vis-à-vis des travaux de Jim Boutas. Parce que, c'est comme toujours, il ne faut pas oublier que dès que nous touchons à la préhistoire, et les autres archéologues qui l'ont critiqué sont aussi... témoins à réticence aussi. Parce que lorsque nous sommes en face de la préhistoire, en réalité, nous n'avons aucun document qui nous permette d'expliquer ce en face de quoi nous sommes. Alors, il est certain qu'à la fin du paléolithique, au début du néolithique, il y a effectivement énormément de statuettes féminines. Bon, alors, est-ce que ça représente une déesse ou non ? Bon, Marie-Jarry Moutas pense que oui. Les autres archéologues pensent que non. Mais il faut se rendre compte qu'il n'y a aucune vérité là-dedans. Il n'y a aucune certitude. C'est tout le temps le système d'interprétation que nous avons. Et Marie-Jarry Moutas, honnêtement, lorsqu'elle fait la différence entre ce qu'elle appelle matristique et ce qu'elle appelle matriarcal, ça, elle a parfaitement raison, parce qu'effectivement, on voit très bien que c'est le cauchemar des hommes de dire on va nous enlever le pouvoir et on va le transmettre aux femmes, comme si les femmes, elles avaient les mêmes valeurs que nous. Bon, là, elle me semble avoir tout à fait raison. Mais en même temps, lorsqu'elle dit que les pouvoirs étaient, en gros, répartis entre les hommes et les femmes, nous avons des attestations, et des attestations qui sont documentées par des textes, que ce soit à Sumer, que ce soit dans l'ancienne Irlande, dans laquelle, effectivement, on sait qu'on croyait à la déesse mère, on s'aperçoit que les hommes ont toujours exercé le pouvoir. Bon, simplement, ce n'était pas la valeur dominante. D'une certaine manière, c'était un peu les femmes qui disaient « Bon, ça vous amuse d'exercer le pouvoir ? Eh bien, exercez-le. » Enfin, c'était un drôle de pouvoir, parce qu'en même temps, le roi, par exemple, si on prend dans les vieux textes celtes, le roi, c'était lui, effectivement, qui gouvernait. Enfin, il gouvernait d'une drôle de manière. Par exemple, au moment d'une bataille, et on sait que les Celtes se battaient beaucoup, c'est le moment qu'on peut dire, au moment d'une bataille, ils ne devaient pas prendre part à la dite bataille. C'est-à-dire qu'il était, d'une certaine manière, impuissant. Et c'est là où, en même temps, il faut introduire, je pense, la distinction entre ce que nous appelons le pouvoir et ce que nous appelons la puissance. Autrement dit, on avait du pouvoir parce qu'on était appuyé sur la puissance de la déesse. Et le roi était impuissant parce que, précisément, il profitait de la puissance de la déesse. Et de la même manière que le roi était légal, il était la source de la loi, mais il était légal parce qu'il était appuyé sur la légitimité qui était celle de ses épousailles, plus ou moins feintes. Plus ou moins symbolique, disons, de ses épousailles avec la déesse. Et c'est là où nous pensons que le pouvoir, la domination, c'est une seule strate. Et il faut bien voir qu'en réalité, il y a deux strates différentes. Celle de la source, et puis celle de l'exercice. Alors, l'exercice, il a toujours été pris en main par les hommes. Mais en même temps, ils n'exerçaient ce pouvoir, ils n'exerçaient cette pseudo-domination que parce qu'ils étaient appuyés justement sur la figure de la déesse.
revenir un tout petit peu à Marie-Jeanne Rimboutas, en fait, c'est vrai que ce qu'a livré l'archéologie, en fait, effectivement, ce sont des représentations de femmes au sein et à la vulve hypertrophiées. Et ce qu'elle appelle la civilisation des Kourganes. Voilà, ouais. Ben, mais comment on peut parler de la Vénus, ce qu'on a appelé la Vénus de Willendorf, on peut parler de la Vénus de Passampouille, mais qu'est-ce que ça représentait? Nous n'en savons strictement rien. Est-ce que c'était des déesses? Est-ce que c'était des amulettes? Bon, c'est par exemple la réticence qui est introduite par quelqu'un comme François Héritier qui dit « ce n'était que des amulettes ». Honnêtement, nous n'en savons strictement rien. Mais moi je me dis, oui, mais même si c'était des amulettes, c'est que ça renvoie à un culte qui était quand même répandu. Parce que des amulettes sans culte, je n'en ai jamais vu. Donc ce n'est que repousser le problème d'une certaine manière. Mais en même temps, je me dis, voilà, nous interprétons d'après notre point de vue à nous. Ce que pensaient réellement les hommes de moins 10 000 avant Jésus-Christ, nous n'en savons strictement rien. Il faut admettre que nous ne le savons pas. Quelque part, l'archéologue, il invente plus qu'il ne découvre. Quand il découvre, il invente. Parce que je rappelle qu'en archéologie, quand on découvre une ville que l'on ne connaissait pas jusque-là, le mot dont on sait ça, c'est de dire c'est l'invention de cet archéologue. Donc c'est bien la manière dont la découverte et l'invention, c'est la même chose, d'une certaine manière. Bon, et je pense que c'est l'un des péchés de l'Occident d'avoir opposé l'invention et la découverte. Je pense qu'on se découvre en s'inventant, ou qu'on s'invente en se découvrant, d'une certaine manière. Donc est-ce qu'il faut vraiment les opposer comme nous avons pris l'habitude de le faire? Je n'en suis pas très sûr. Mais en même temps, je me dis qu'effectivement, aucun archéologue ne peut échapper à sa condition psychique, ce à quoi il croit, et que donc il va interpréter les choses qu'il a en face de lui selon son système de croyance a priori. Et ce que je regrette, c'est qu'aucun archéologue, généralement, ne se met à jour là-dessus. Comme beaucoup de psychanalystes, hein, d'une certaine manière. Et là, je pense qu'en psychanalyse aussi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que nous interprétons, nous avons tel ou tel système parce que, philosophiquement, nous croyons en telle ou telle chose. Alors, lorsqu'on me dit que la psychanalyse explique la philosophie, je dis oui, mais d'accord, mais à condition de voir quels sont les a priori philosophiques de la psychanalyse. Et je pense qu'en archéologie, c'est à peu près le même problème. Des déesses des premières grandes civilisations, par exemple Isis pour l'Égypte, Cybèle qui dans l'Antiquité fut importée de Phrygie, en Grèce puis à Rome. En Grèce on a également Gaïa, Déméter, Perséphone, enfin il y en a tout un panthéon. Enfin toutes ces déesses semblent reprendre certains caractères de la déesse préhistorique supposée ou imaginée par Marie-Jeanne Rimboutas, en ce sens qu'elles ont à voir avec la terre, avec la fertilité, la fécondité, mais aussi avec la mort, en tant que la mort est prélude à une renaissance. Oui, mais là je pense que ça correspond beaucoup à l'expérience que les hommes ont de leur relation avec les femmes. Parce que, disons les choses, les hommes ont la terreur des femmes. Bien, mais pourquoi? Parce que je pense qu'au moment de l'acte d'amour, dans la jouissance, ce que cherche l'homme, c'est la détumescence, c'est-à-dire la fin, précisément de la jouissance, et la jouissance est assimilée à la petite mort. Bon, je reprends des termes très très connus. C'est moi qu'on peut dire. La petite mort, c'est-à-dire que lorsqu'il s'enfonce dans le vagin d'une femme, il y a toujours cette idée, je la domine. Bon, est-ce que, d'une certaine manière, ce n'est pas s'aventurer dans un territoire complètement inconnu, dans lequel règne la nuit, dans lequel l'homme est perdu, d'une certaine manière, et où il doit faire l'expérience d'une dimension autre? Et c'est là où je me dis qu'il y a quand même quelque chose qui n'a jamais été véritablement tiré au clair. Et en même temps, je suis obligé de me dire que lorsque les Romains, qui étaient machos, comme c'était pas possible, là les femmes vraiment c'était rien, il suffit de relire les discours de Caton l'Ancien par exemple, pour le savoir.
lorsque les Romains font appel à Cybèle, c'est au moment où ils pensent que Rome est quasiment fichue devant Hannibal, et donc on appelle Cybèle au secours. C'est-à-dire que malgré tout, lorsqu'on est en situation de désespoir, on se tourne vers la mer. On se tourne vers la mer, et Isis, là il suffit de voir aussi, comme Isis a tout le temps fait retour dans notre culture, avec les ésotéristes de tout poil, à travers les siècles, comme si de cette manière il y avait une protestation silencieuse, je dirais, contre la domination patriarcale. Vous parliez de la sexualité, mais alors, au niveau des déesses, enfin au niveau des dieux, il y a des cas où une déesse est dans une relation incestueuse avec son frère, donc c'est le cas bien connu entre Isis et Osiris. Il faut quand même bien se rappeler que les dieux, ce n'est pas nous. Oui, bien entendu. Est-ce que l'inceste, ce n'est pas aussi une manière de dire qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes lois que nous? Oui, mais alors justement... Est-ce qu'il faut le prendre littéralement? Voilà, mais qu'est-ce que ça signifie, je dirais, c'est cette ignorance ou se passer outre de l'inceste, mais qu'est-ce que ça signifie, je veux dire, symboliquement? Non, mais d'abord, il y a d'abord notre culture qui a toujours posé que l'inceste était le fondateur de la culture. Il suffit de reprendre les travaux de Lévi-Strauss, etc. Bon, est-ce que c'est si sûr que ça? On sait que c'était pas vrai, par exemple, pour les pharaons, effectivement, mais c'est... Oui, mais parce que les pharaons, à nouveau, étaient dieux. C'était les représentants d'Horus le Jeune, sur le trône d'Égypte. Et ils étaient la médiation avec le pouvoir divin ou avec le pouvoir spirituel. Et donc, les pharaons étaient, je dirais, comme attirés dans la sphère divine. Et les dieux, ils ne sont pas soumis aux mêmes lois que nous. À nouveau, on retombe là-dessus. Non, mais de la même manière qu'on voit bien les dieux qui s'unissent... Enfin, Si vous lisez la théorie des Hésiodes, par exemple, c'est vrai que dans les généalogies, il est parfois quasiment impossible de s'y retrouver parce qu'on voit des dieux qui s'accouplent avec leur petite fille ou avec leur petite nièce, etc. Et c'est aussi une manière de dire que le temps n'est pas le même, le temps des dieux n'est pas le temps humain. Et c'est là où je me dis, est-ce que l'inceste, et là, il faut le lire véritablement au pied de la lettre. Et est-ce que nous avons le droit d'y appliquer des explications qui sont des explications pour les humains? Alors que justement, on essaie de nous dire, non mais les dieux, c'est pas pareil. C'est dans un autre horizon. Parce qu'en tout cas, chez les humains, il me semble que, enfin, par exemple, des cas exceptionnels comme effectivement les pharaons, mais qui sont en réalité quelque part... Parce que si on prend l'Égypte hellénistique, gréco-latine plus exactement, on sait aujourd'hui, on a fait des recherches là-dessus, que pratiquement, le mariage entre frères et sœurs, c'était 40% de la population. 40%, c'est quand même pas rien, hein. Bon, comme dans la passe ancienne, on sait très bien que les incestes généalogiques entre le père et la fille, ou entre la mère et le fils, étaient assez répandus. Bon, apparemment, ce ne sont pas des civilisations qui sont devenues folles. Donc, est-ce que c'est vraiment fondateur de culture? C'est une idée qui est tellement reçue aujourd'hui, mais est-ce que les idées reçues, probablement, il ne s'agit pas de s'interroger dessus. Bon, je ne suis pas en train de plaider pour l'inceste, hein. Mais de me dire, est-ce que ça ne peut pas avoir une autre signification que celle que nous lui prêtons d'habitude. Et lorsqu'on parle donc de... Parce que souvent on parle de hiérogamie ou de sigésie, quel est le rapport entre ces deux termes, par exemple, de sigésie et de hiérogamie? La sigésie, c'est de dire, bon, c'est ce que Freud a retrouvé sous le nom de la scène primitive. Ou ce que Mélanie Klein a désigné comme les parents combinés, qui me semble déjà aller beaucoup plus profond que Freud. Bon, la sigésie, c'est de dire un dieu est hermaphrodite, il est androgyne. Il y a du masculin et du féminin. Et la hiérogamie implique une dualité. Non, mais justement, là-dessus, il suffit de penser à certaines représentations de Zeus qu'on a retrouvées en Grèce, dans lesquelles on voit un Zeus féminin. Ou à Chypre, par exemple, dans laquelle Chypre, qui est l'escale par où est passée Aphrodite, qui venait de Proche-Orient, je le rappelle, pour aller en Grèce, dans laquelle, à Chypre, on a retrouvé des statues d'Aphroditos. Aphroditos qui était justement l'aspect masculin. Bon, la sigésie, c'est de dire, dans le dieu, dans la source, qui est la nôtre, il y a effectivement du masculin et du féminin, en genre. Bon, alors, évidemment, c'était ensuite passer directement, penser à un plan quasiment littéral. Parce que Aphroditos... C'est quand même Aphrodite, véritablement, je dirais, sexuellement mâle. Bon, nous pouvons introduire la différence entre le sexe et le genre. La hiérogamie, c'est pas tout à fait pareil. La hiérogamie, c'est le mariage sacré. Autrement dit, c'est la manière dont, par exemple, Isis va se marier avec son frère Osiris. Ou
c'est la manière dont toujours il y a une union entre deux principes divins, deux principes spirituels. Alors, généralement, le problème, c'est de savoir comment, par exemple, Isis, qui avait une part masculine extrêmement forte, ça, nous l'oublions souvent, se marie avec Osiris, qui lui-même a une part féminine extrêmement forte. C'est-à-dire comment c'est un couple de deux sexes, et en réalité, il y a les quatre genres. Enfin, ou deux fois les deux genres masculin et féminin. C'est ce qu'on oublie toujours, et c'est là où, justement, c'est le mariage de deux syzygies entre elles, d'une certaine façon. Oui, ce qui réplique un petit peu dans la psychologie de Jung, chez les humains, quand il y a l'anima et l'animus, enfin l'animus de la femme plus le conscient de la femme, et l'anima de l'homme plus le conscient de l'homme, ça fait quatre. Je pense qu'en arrière-plan, il y a cela, dans la psychologie de Jung, effectivement. Mais de cette manière, il ne fait que redécouvrir ce que les religions avaient senti intuitivement dès le départ. Sans toujours le comprendre au plan symbolique, encore que chez les Égyptiens, je pense que c'était extrêmement fort. Alors ce qui est aussi parfois, c'est que la déesse, et je crois que c'est d'ailleurs le cas entre Isis et Osiris, c'est-à-dire Osiris est à la fois le frère, mais il est aussi le fils d'Isis. C'est là où tout se mélange un petit peu comme Cybèle et Attis. Attis est le fils amant de Cybèle. Oui, bien sûr. Mais non, mais c'est là le problème. Est-ce qu'il faut le prendre à nouveau au pied de la lettre? Attis, effectivement, ou Adonis, c'est le fils amant d'Aphrodite, au Proche-Orient. Mais est-ce qu'il faut le prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire de dire qu'il y a une relation sexuelle entre la mère et le fils, ou est-ce qu'il ne faut pas se dire plutôt que le fils est amant de la déesse en tant que, présentement, elle est déesse, autrement dit, qu'il est que dans un processus qui est quasiment un processus mystique, il éprouve ce qui nous dépasse de partout, d'une certaine manière, et c'est-à-dire que le féminin serait l'introduction, précisément, au plan du divin, et du divin le plus essentiel, le plus fondamental. C'est-à-dire de ce divin qu'on ne peut même plus qualifier, d'une certaine manière. Et c'est là où je me dis que, quand même, dès qu'on est devant l'histoire des dieux, il faut avoir une lecture symbolique. On ne peut plus avoir une lecture littérale. Il y a une particularité de ces fils amants de déesses, ben comme Osiris ou Attis, c'est qu'ils meurent. Ils meurent à un moment donné et ils renaissent. Enfin, il y a partie d'un cycle. Je dirais qu'à la limite, ils meurent pour renaître. Oui, voilà. Ouais, effectivement. Ouais. Il y a le cas de Déméter et Perséphone. Non, mais Perséphone, on se raconte des histoires invraisemblables. Je veux dire par là que, évidemment, on s'est appuyé sur Hérodote. On a pensé que Perséphone avait été enlevée par le dieu des enfers Hadès. Et donc, qu'elle devenait une divinité de la mort, de ce point de vue-là. Or, maintenant qu'on a décrypté le linéaire B, on sait que Perséphone était anciennement une déesse de la mort. Donc, là, je veux dire, ce sont les hommes qui se sont dit, allez, on met la main dessus. Alors que ce n'était absolument pas ça. C'était une déesse de la mort, et en tant qu'elle était déesse de la mort, précisément, il suffit de penser à la Kali des Hindous, par exemple, ou à la descente aux enfers de Ishtar, ou avant d'Inanna, vers la sœur Ereshkigal. C'est-à-dire comment, précisément, il faut toujours passer à travers la mort pour arriver à renaître. Mais, vous savez, c'est dès 1911, je me rappelle bien, au Cercle de Vienne, qu'avait été soutenu un texte qui avait été soutenu un exposé par Sabine Spielrein, qui s'intitulait La destruction comme cause du devenir, et dans laquelle elle disait bien qu'il fallait passer par la mort afin de, alors là évidemment elle se servait de son vocabulaire à elle, afin de ressusciter. Autrement dit, il y avait tout le temps, ce que nous racontent ces histoires, c'est que précisément on ne pouvait advenir un jeu véritable, je dis bien un jeu, pas un moi, un jeu véritable, que si on était passé par le démembrement de soi-même, par la mort à soi-même, et que l'on renaissait dans un autre lieu et d'une autre manière. Qui se rapproche de la notion de régrédience. C'est exactement. Non, mais c'est-à-dire comment on retourne en arrière, non pas pour s'y perdre, mais de cette manière, mais pour repartir en avant. Vous savez, c'est toujours la comparaison que j'ai de l'arc d'Héraclite, à laquelle on tend la flèche en arrière pour faire partir la flèche en avant. Bon, ben voilà. Yeah.
Il faut faire un tout petit peu d'histoire. C'est-à-dire à quel moment on s'intéresse aux déesses. Parce que si on prend, en gros, vers moins 1000, moins 1500 avant Jésus-Christ, à Babylone, en Akkad, etc., on s'aperçoit qu'effectivement, les déesses sont en dualité. Mais c'est le moment où les dieux sont en passe de prendre le pouvoir. Donc la déesse ne peut pas être pensée sans un dieu à côté. Si on remonte encore beaucoup plus loin, je pense à Bocaskoy ou à Chataloyouk ou au fouille à Mouraïbet de Jacques Covin, on voit très bien que la déesse est seule. La déesse est seule, mais elle a son principe masculin. Je pense à Chataloyouk ou à Bocaskoy, dans laquelle on voit par exemple la déesse et en dessous il y a un bucrane. Un bucrane, autrement dit une tête de taureau. Une tête de taureau qui représente le masculin de la déesse, tout au moins tel que je l'interprète. Parce que honnêtement, à nouveau, qu'est-ce qu'en pensaient les gens réellement de Chataloyouk? Je ne peux pas le savoir. Et ce qui me semble, c'est que le masculin de la déesse s'est détaché, a pris son indépendance, il est devenu le masculin de l'homme, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le masculin, le genre, a recouvert le sexe. Enfin, où il est entré en égalité avec le sexe, d'une certaine manière. C'est là en même temps. Je pense quand même que l'histoire, bon, je ne crois pas définitivement en l'histoire, mais je me dis quand même, faire un tout petit peu d'histoire, parfois, ce n'est pas absolument inutile. Autrement dit, à quel moment nous parlons? Est-ce que nous parlons au moment où les déesses règnent? Est-ce que nous parlons au moment où les hommes imposent leur pouvoir? J'en prends un seul exemple, qui est au début de la Bible, le fameux récit de la Genèse. On sait aujourd'hui que c'est une démarque d'un récit babylonien, les amours de Enki et de Ninhursag. Or, en réalité, le serpent de la déesse, c'est le serpent de sagesse de la déesse, l'arbre, c'est la figuration même de la déesse, autrement dit, la tentation d'Ève, c'est la manière dont la déesse s'adresse à sa fille, de cette manière. Et on voit très bien comment c'est une manière justement très patriarcale de voir les choses, parce que si la déesse parle à sa fille, forcément elle lui dit de très mauvaises choses. Donc la déesse, c'est égal au diable. Bon, et on n'est pas très loin du mythe de Lilith, c'est-à-dire la manière dont la femme est toujours l'engeance du diable. C'est ce qu'on va retrouver même dans les procès de sorcières. Il y a toujours cette idée que finalement, si vous lisez les registres des procès de sorcières, comme quoi la femme, le diable s'adresse d'abord à la femme. C'est elle qui est le vecteur. Et les hommes, les quelques sorciers qui sont brûlés, lorsqu'on lit les minutes de leur procès, on s'aperçoit quand même qu'ils sont très 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 féminins, précisément. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts à un certain nombre de choses. Alors, c'est là où je me félicite en me disant, au moins je ne vis plus à cette époque-là. Et aujourd'hui, je peux dire tranquillement ce que j'ai à dire. Dans le processus historique, effectivement, il y a des grandes déesses et ensuite plutôt des Seiji, des Yerogami, etc. Est-ce que le fait qu'il y ait un dédoublement de la déesse vers du mâle et du femelle, on va dire, n'est pas dû au fait aussi où, à un moment donné dans l'histoire, les hommes se sont bien rendus compte que pour engendrer, il fallait la semence d'un mâle. Est-ce que les hommes n'ont pas toujours su? C'est-à-dire que très loin dans l'histoire, on voyait que la génération se faisait par la femme. Même encore actuellement, on ne le sait pas toujours. On sait très bien qu'il y a distribué au moins, disons, dans le courant du XXe siècle, qu'en est-il aujourd'hui? Honnêtement, je ne le sais pas, mais dans laquelle la femme était toujours enfantée par le vent. Elle était engrossée par le vent. Ce qui d'ailleurs me rappelle quand même curieusement le scénario de la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, enfantée par l'Esprit Saint... Il faut se rappeler que l'esprit, c'est spiritus, et spiritus, ça a à voir avec respirare. Autrement dit, l'esprit, c'est un souffle. Ni la Vierge était enfantée par un souffle. Bon, mais on a longtemps cru, c'est vrai, que les femmes pouvaient engendrer par elles-mêmes. Et c'est là où on voit précisément dans la civilisation antique à quel point on essaie de réagir. Parce que je prends la théorie, un texte que j'adore par ailleurs, mais que je lis avec beaucoup de prudence. Si je prends la théogonie des Iodes, par exemple,
on nous explique bien que Zeus, il peut enfanter Dionysos, il peut enfanter Athéna, mais que Héra, c'est-à-dire sa femme, sa sœur épouse, elle ne peut enfanter par elle-même que des monstres. C'est-à-dire, l'homme, il donne lieu à la gloire de l'univers. C'est Athéna, quand même, c'est celle qui est la patronne d'Athènes, hein, qui est la patronne de l'intelligence en tant que telle, alors que Héra, ça ne peut être que des monstres. Autrement dit, une femme, ça ne peut engendrer que des monstres. On voit très bien comment les hommes, justement, c'est une relecture de la mythologie du point de vue des hommes. Oui, surtout à partir du moment où ils ont su que l'homme était partie prenante dans l'engendrement par la fécondation. Parce que tant qu'on ne le savait pas, bon, ben, finalement, l'homme n'avait pas beaucoup de place, dans la mythologie. Le masculin... Non, mais je suis d'accord, mais c'est pour ça que la réaction patriarcale, je la comprends très bien. Mais la seule question que je me pose, c'est est-ce que nous pouvons rester là, dessous? Est-ce que justement nous avons tellement barré le féminin qu'est-ce qu'il ne faut pas le redécouvrir? Et puis je me dis que les fils d'Oedipien, ça existe, mais que les fils de la mère, et j'en suis un, clairement, et je m'affirme comme tel, est-ce que les fils de la mère n'ont pas le droit de vivre? Donc je n'attends pas un état de la société dans lequel les fils d'Oedipien auraient à vivre les mêmes épreuves que j'ai vécues moi en tant que fils de la mère, dans la société d'Oedipien, bien entendu. Et c'est là où je me dis qu'une société dans laquelle le masculin et le féminin, l'homme et la femme, seraient à égalité réelle, pas une identité, je sais très bien que les sexes sont biologiquement différents, est-ce que cette société-là ne serait pas la société que nous pouvons essayer de bâtir? Mais en tout cas, vu le fait que dans les familles, à l'heure actuelle, les hommes tiennent de moins en moins leur rôle... Est-ce qu'ils tiennent de moins en moins leur rôle ou est-ce qu'ils tiennent de moins en moins le rôle qu'on leur avait traditionnellement donné? Oui, absolument. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va, au niveau des enfants, ça va faire de plus en plus de entre guillemets, de, non pas de fils d'Oedipien, mais de fils amant de la mère, effectivement. Donc une structuration psychologique, effectivement, différente. Complètement différente. Et on va voir ce que ça donnera... Ce qui prélude peut-être des changements de société, ou en tout cas qui sont en cours. On verra bien. Ouais. On verra bien. Dans la civilisation occidentale, dans le christianisme, il est étrange de voir que il n'y a pas, alors à part Lilith, mais Lilith est quand même assez peu connue dans la culture, il n'y a pas véritablement de principe féminin, je dirais, dans l'ombre. La Vierge Marie, elle est totalement immaculée, elle est toute de lumière. Et je me demande, elle est immaculée à condition de se rappeler que immaculée, ça veut dire qu'elle n'a pas de tâche, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le poids du péché originel. Oui, absolument. C'est ça que ça veut dire. Oui. Justement. Non, mais... parce que souvent immaculée, c'est compris comme elle n'a pas de relation sexuelle, etc. Oui. Pas du tout. Mais est-ce que c'est pas pour cette raison, le fait que on n'a pas dans le conscient de l'Occident véritablement de féminin sacré qui soit du côté de l'ombre, que finalement, que tout ça, que ce féminin sacré du côté de l'ombre a été projeté finalement sur les femmes de chair et d'eau, et c'est là qu'on a mis des sorcières sur les bûchers, surtout à la Renaissance. Oui, et honnêtement, j'y crois pas trop. Parce que je ne crois pas trop, parce que je me dis quand même que les évangiles, au départ, quand même, le Christ, les rencontres avec les femmes, qu'est-ce qu'il y en a, hein? Que ce soit la Samaritaine auprès du puits, que ce soit l'Oxon à Béthanie, au pied de la croix, il n'y a que des femmes, de cette manière. Et il ne faut quand même pas oublier que lorsque le Christ réapparaît, prenez l'évangile de Jean, c'est à Marie-Madeleine. C'est Marie-Madeleine qui va annoncer aux apôtres que le Christ est ressuscité. Autrement dit, Marie-Madeleine est l'apôtre des apôtres. C'est la première apôtre, de cette manière. Donc on a l'impression quand même que tout ça a été relégué parce qu'il fallait aussi que le christianisme se développe dans l'Empire romain. Et l'Empire romain, je le dis à nouveau, à quel point vraiment il était bâti sur des valeurs masculines. Donc évidemment, il fallait mettre le féminin de côté. Prenez les évangiles apocryphes, dans lesquels, lorsqu'on parle de Pierre et de sa fille Pétronille, on voit Pierre, le grand apôtre, le grand saint fondateur, dans l'imaginaire chrétien. Qui considère que vraiment, que sa fille soit belle, c'est un peu lourd à porter, parce que qu'est-ce qu'elle a de prétendant, du coup? Qu'est-ce qu'elle a d'homme
qui lui court après. Alors il s'adresse au Seigneur en disant, s'il te plaît, fais que ma fille, elle perde un petit peu cette beauté. Et on voit la fille qui va être frappée d'un mal absolument épouvantable, et on voit Pierre qui remercie le Seigneur en disant, enfin, je suis libre. C'est-à-dire, on voit très bien comment, justement, on s'est débarrassé du féminin. Et il me semble que le christianisme portait beaucoup de féminin. Mais en même temps, ce féminin va tout le temps faire retour. Et va faire retour, pas particulièrement, on le voit très bien, dans la manière dont est révérée la figure de la Vierge Marie. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Vierge Marie, quand même, tout le temps, c'est la foi du peuple fidèle, si l'on peut dire, c'est la foi du peuple qui l'a imposée. Lorsqu'on voit l'adormition de la Vierge dans le manuscrit de Thessalonique, puis lorsqu'on voit l'adormition de la Vierge à Éphèse, on voit très bien que tout ça, c'est quand même l'expression de ce que croyait le peuple fidèle. Et je prends un dogme comme celui de l'Assomption. Alors Dieu sait qu'il a été long à proclamer, disons, 1950, c'est quand même pas si loin que ça. Bon, on voit que le dogme de l'Assomption, dès le Moyen-Âge, on commence à en discuter. Et on commence à en discuter sous la pression du peuple. Parce que pour le peuple, évidemment, la Vierge Marie est le quatrième thème, si j'ose dire, de la Trinité. Bon, là-dessus, on n'est pas très loin de tout un certain nombre d'assertions de la philosophie religieuse russe. Et comment, précisément à travers la figure de la Vierge Marie, bon, qui va être compris, mais qui n'est pas du tout comprise dans les époques classiques, comme nous le comprenons aujourd'hui. Ce qu'on oublie, c'est que nous avons une vision très Saint-Sulpicienne de la Vierge Marie. Alors qu'au Moyen-Âge, on voyait la Vierge Marie qui était adorée dans son utérus, qui était adorée dans son odeur de femme, etc. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, ce serait des discours qui seraient audibles? Je n'en suis pas sûr. Je me rappelle très bien comment, il y a une vingtaine d'années, j'avais fait une émission à France Culture sur la Vierge Marie, dans laquelle je faisais lire de ses textes. J'avais reçu un flot de lettres d'insultes, disant « Comment vous osez parler de la Vierge Marie ?» Je dis « Mais pardon, ce ne sont que des textes des Pères de l'Église. » Mais on l'avait complètement oublié. C'est-à-dire que la Vierge Marie était bien une femme, précisément. Elle n'était pas renvoyée uniquement dans le divin et dans le divin chrétien. Ou si c'était une déesse, parce que je pense que psychologiquement c'était une déesse, mais c'est un peu la thèse du père Serbelot, qui dit que psychologiquement ça peut être tenu comme une déesse, à condition que théologiquement on ne dise pas que c'est une déesse, taisons-nous sur ce que nous pensons réellement. C'est-à-dire que si c'est une déesse, enfin au sens que je donne le terme, alors effectivement c'est une femme, et c'est une femme dans tous ses attributs. Et honnêtement, que la Vierge Marie ait été toujours vierge, bon, je sais bien que le dogme le proclame, enfin, lorsqu'on voit le Christ renvoyant sa mère, renvoyant son frère, Jacques le Majeur, quand même, il deviendra le chef de l'Église de Jérusalem, parce qu'en principe, il est le frère du Christ. S'il est le frère du Christ, ou disons le demi-frère, c'est que la Vierge Marie, quand même, elle a eu quelques relations après la conception du Christ. Bon, alors, c'est là aussi, je me dis, les mythologies, un petit peu d'histoire, ça fait aussi du bien, quand même. Mais d'ailleurs, si on en croit certaines personnes qui supposent que les vierges noires, en fait, sont des figurations d'Isis, ça voudrait bien dire qu'effectivement, la Vierge est une déesse, c'est-à-dire que dans l'inconscient, elle est équivalente à Isis. Oui, enfin, là aussi, soyons prudents. Soyons prudents, parce que certaines vierges noires renvoient à Isis, ça, on en est tout à fait sûr, mais certaines vierges noires sont des traces de déesses néolithiques, enfin, ou de figurations néolithiques. Donc, je dis, on a un peu trop vite fait de dire les Vierges Noires, c'est égal à Isis. Oui, non, mais... En tout cas, elle renvoie à la déesse. Elle renvoie à un principe féminin divin. Oui, ça, absolument. Mais c'est là où je crois que le peuple a des intuitions beaucoup plus justes que beaucoup d'intellectuels, disons, qui ratiocinent, qui arriveront à vous démontrer que quelque chose ne veut absolument pas dire ce que ça a l'air de vouloir dire. Ce qu'on appelle l'allégorie, vous savez. Allégorie, il faut se rappeler que allégorie, c'est toujours fondé sur le mot allos. Allos, c'est l'autre, en grec. Autrement dit, un texte ou une image veut dire autre chose que ce qu'elle semble vouloir dire. Et il me semble là que, quand même, ou dans la Kabbale, ou dans la théologie chrétienne du Moyen-Âge, on était quand même plus subtil que ça. Je me rappelle, quand même, par exemple, ce que déclare Dante, que tout texte a quatre niveaux de signification. Il a le niveau de signification littérale, il a le niveau de signification morale, il a le niveau de signification allégorique, pourquoi pas,
disons symbolique, et il a le niveau de signification analogique ou extatique, de cette manière. Et le problème, c'est de tenir ces quatre niveaux en même temps, et de faire en sorte que la lecture littérale, éventuellement, ne nie pas la lecture symbolique, et la lecture symbolique ne nie pas la lecture littérale. Bon, enfin, ça, nous l'avons largement oublié. En tout cas, le peuple est souvent plus proche de la psyché collective. Ben, je pense, ben oui, ben, il est animé par elle, de cette manière. Absolument, oui. Alors, vous avez fait une allusion tout à l'heure à Marie-Madeleine, et, qui était finalement... Bon, si on en suit, par exemple, un certain roman qui a eu un succès fou, le Da Vinci Code, il aurait eu une relation... Qui raconte à peu près n'importe quoi. Sûrement, certainement, ah, mais... En tout cas, c'est un fait culturel que ce roman ait eu un succès. Oui, non, mais bien sûr. Et qu'il raconte effectivement, entre autres, la relation de enfin, qui est, on y évoque la relation de Marie-Madeleine et du Christ. Oui, mais parce qu'on s'appuie sur un évangile gnostique, dans lequel on nous dit, c'est l'évangile de Philippe, que Marie-Madeleine était la compagne du Christ, koinos. Alors, déjà, on ne se réfère pas au sens grec des mots. Et que le Christ embrassait Marie-Madeleine. Seulement, embrasser, est-ce que c'est la baiser sur la bouche, avec l'avidité sensuelle que cela suppose, ou est-ce que c'est embrasser pour lui passer son souffle? Autrement dit, c'est la grande querelle qu'il y a, par exemple, sur le Cantique des Cantiques, vous savez, sur le premier vers du Cantique des Cantiques, qu'il me baisse des baisers de sa bouche. Bon, est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il m'embrasse? Et je pense que oui, moi, personnellement. Je pense que c'est ça. Et en même temps que quelqu'un comme Saint-Bernard de Clairvaux n'a pas tort en disant que ce baiser, c'est l'esprit, c'est le souffle qui circule entre deux personnes. Et je pense que là, à nouveau, présentement, la lecture allégorique et la lecture littérale, on est obligé de les tenir toutes les deux ensemble. Et il me semble que dans l'évangile de Philippe, on n'a voulu voir que la lecture littérale. La lecture symbolique, elle existe aussi. Absolument. Il n'est pas question de la nier. Est-ce qu'on peut mettre donc ce couple symbolique et littéral, on va dire, du Christ et de Marie-Madeleine, avec celui de Simon le magicien et d'Hélène? Donc Hélène que Simon va chercher dans un bouge, qui était une esclave. Attendez, oui, non, mais attendez, parce que pour Simon le magicien, il faut le remettre dans son contexte et dans son contexte gnostique. Bon, mais déjà pour Marie-Madeleine, je voudrais rappeler que Marie-Madeleine, nous pensons que c'est une personne. Que si on lit les évangiles, en réalité, c'est le condensé de trois personnes. C'est Marie... à l'enterrement de Lazare, c'est la pécheresse, effectivement, et c'est aussi cette femme que reçoit le Christ dans l'évangile de Luc, juste avant d'ailleurs la visite à Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, alors que Lazare est mort, c'est cette pécheresse qui vient de voir le Christ, qui lui essuie les pieds avec ses cheveux après avoir répandu des flots de parfum sur ses pieds. Ce qui fait que quelqu'un comme Mauriac, si je me rappelle bien, disait que c'était la scène la plus érotique qui ait jamais été écrite. Et je pense que ce vieux fouineur de Mauriac, il n'avait pas complètement tort. Non, mais c'est-à-dire que jusqu'au XVIIe siècle, on savait très bien que Marie-Madeleine, c'était trois personnes. Ce sont les auteurs du XVIIe siècle qui en ont fait une seule. Donc, de dire, il faudrait savoir de qui nous parlons au juste. Alors, pour ce qui est d'Hélène... il faut se rappeler qu'en même temps, nous sommes dans un contexte gnostique dans lequel il y a l'abîme de Dieu, et puis il y a Dieu qui s'est manifesté, et Dieu s'est manifesté en partie par sa présence féminine, autrement dit par son énoïa, par sa pensée. Et énoïa, c'est bien un mot qui est au féminin en grec. Donc c'est la manifestation de Dieu qui est féminine. Et puis là-dessus, bon, je vous passe tous les détails, on en arrive à la Sophia, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, qui renvoie au livre des nombres, au livre des proverbes, je veux dire, dans la Bible. C'est-à-dire cette petite fille qui joue au pied du divin, etc. Et la Sophia chute. La Sophia chute, ce qui fait qu'elle va passer, si je me rappelle bien, c'est dans Hippolyte de Rome, dans la réfutation de toutes les hérésies, ou Irénée de Lure, je ne me rappelle plus, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, dans laquelle il est dit, on cite un texte de Simon le magicien, que la Sophia déchue passe de corps de femme en corps de femme. Donc elle est d'abord Hélène de Troie, elle devient ensuite l'Hélène que Simon le magicien va trouver dans un bouge de tir, autrement dit dans un bordel de tir. C'est une prostituée. Ce qui marque l'ultime de la déchéance, d'une certaine manière.
Et Simon dira toujours que lorsqu'il s'unit à elle, lorsqu'il fait l'amour avec elle, il est lui le représentant de Dieu, et elle, elle est la Sophia déchue. Donc c'est la Sophia qui retrouve son véritable statut. Donc c'est la reformation d'une syzygie primitive, d'une certaine manière. Donc ça a un sens profondément spirituel. Bon, ce qu'évidemment les polémistes chrétiens n'ont absolument pas voulu entendre. Qui est de la Vierge en finira sous la pression populaire au 5e siècle lors du concile d'Éphèse par l'affaire Théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu, mais mère humaine de Dieu, si je comprends bien. Mais mère du Christ, en tant que le Christ a une double nature. Voilà. Il est homme et Dieu. Donc elle est la mère du Christ en tant que le Christ est homme. Et c'est pour ça que la position de Nestorius, qui disait, la mère, la Vierge est la mère de l'homme, Jésus, mais à ce moment-là, elle est Christotokos. Et c'est là où il me semble quand même qu'il avait assez raison. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est lorsqu'on voit la correspondance de Cyril d'Alexandrie, l'évêque d'Alexandrie, qui lui soutient la formulation Théotokos, dans sa correspondance. Il explique comment, après le concile d'Éphèse, lorsqu'il y a eu la proclamation de la Théotokos, le peuple d'Éphèse s'est répandu en réjouissance. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on assiste exactement à une cérémonie en faveur de l'Artémis d'Éphèse, de l'ancienne grande figure. Et ce crétin, j'ose le mot, ce crétin de Cyril ne s'en rend même pas compte. Lui, il croit que c'est la gloire, que c'est la gloire de la Vierge. Alors qu'en réalité, derrière la Vierge, c'est Artémis que l'on est en train de fêter. Et donc, pour le peuple, en fait, non pas la mère de Dieu, mais Dieu la mère. C'est le principe divin féminin. Ouais, donc Dieu la mère. Exactement. Ouais, ouais. Et c'est là où je pense que, je suis désolé, que quelqu'un comme Freud se trompe complètement. Dans son texte, il avait grande et la Diane des Éphésiens. Parce qu'à nouveau, lui aussi, bon, lui qui était tellement antichrétien, il ne se rend pas compte qu'en fait, il reprend la grande mythologie chrétienne, de cette manière. Et que la Diane des Éphésiens, en réalité, elle renvoie à la déesse Artémis, mais l'Artémis orientale, en se rappelant que la déesse Artémis, précisément, vient du Proche-Orient. C'est pas du tout une déesse grecque au départ. D'ailleurs, dans l'ensemble culturel indo-européen, on n'en trouve absolument pas trace. La Vierge est mère de Dieu. Elle est aussi fécondée virginalement par l'Esprit Saint, qui lui aussi est dans la Trinité. Donc est-ce qu'on ne retrouve pas là aussi une forme d'inceste sacré ? Parce que, vous comprenez ? C'est-à-dire qu'elle est mère de Dieu et en même temps elle est fécondée par une personne de la Trinité, l'Esprit Saint. Oui, mais. Donc il y a une forme d'inceste aussi. Non, mais relisez Dante. C'est extraordinaire. Dans la Divine Comédie, il parle de la Vierge comme la fille, la mère et l'épouse de Dieu. Si on n'est pas dans cette sacrée, je me demande dans quoi on est. Non, mais il a raison. Elle est la mère du Christ. Donc, elle est la mère de Dieu. Si on croit, évidemment, dans le dogme de la Trinité proclamé par Chalcédoine. Mais si elle est la mère du Christ, si elle est la mère de Dieu, elle est l'épouse du Père. Et donc, elle est à la fois la mère et l'épouse du divin. Et en même temps, elle est la fille dans la mesure où elle est une créature humaine. Oui, donc, donc effectivement, nous sommes en plein inceste. Mais là, je pense que les chrétiens n'en ont pas une conscience très claire. Ils sont dans l'inceste sacré, disons. Alors par contre, cet aspect de virginité, en fait, est-ce que, enfin, je suppose, ça a à voir avec celle d'Artémis. Oui, mais à nouveau, c'est la manière dont on n'a rien compris au texte. Oui, oui, oui. Parce qu'en grec, dans les évangiles, c'est parthénos. Parthénos en grec, c'est la jeune fille en tant qu'elle n'est pas mariée.
C'est-à-dire que ce qui était le cas d'Artémis aussi. Donc. Non, mais exactement. Oui, par ce qui n'empêche pas qu'Artémis ait eu quelques aventures par ailleurs. Si elle était vierge, ça veut dire qu'elle n'était pas mariée au moment où elle a conçu le Christ. Ça ne veut pas dire qu'elle était vierge physiquement, tel qu'on l'a entendu. Ouais. Mais bon, à nouveau, c'est la manière dont on a traduit le terme en latin, c'est-à-dire on l'a traduit Parthénos par Virgo, sans se rendre compte que Virgo voulait dire autre chose que Parthénos. Ouais. Mais le Parthénos d'Artémis, et puis je pense qu'il était chez Athéna aussi, je suppose. Qu'est-ce qui signifie parce que il y avait, je crois, Hestia aussi. Enfin, il y avait un certain nombre de déesses en fait grecques qui étaient Parthénos. Qu'est-ce que ça signifie ça, symboliquement? Ça veut dire précisément qu'elle n'était pas mariée. Autrement dit, qu'elle restait libre d'elle-même. Mm-hmm. Non, mais Artémis, faut quand même se rappeler que Artémis, telle qu'elle a été précisée, Artémis, c'est un nom qui était formé sur le radical art, et que art, ça voulait dire l'ours. Donc on retrouve effectivement une Artémis Prorania, autrement dit une Artémis ours, précisément, dans un certain nombre de mythes. C'est le même radical qu'on va retrouver dans Arthur, le fameux roi Arthur du Graal. C'est le même radical qu'on va retrouver par exemple dans la déesse Arduina, qui a donné les Ardennes, la déesse ours. Mais la déesse ours, en tant que l'ours, était précisément un animal humain dans l'imaginaire, et en même temps celui qui faisait le lien avec le ciel, précisément. Et il me semble intéressant de voir que Artémis ou Arduina faisait le lien avec le ciel, ou que le roi Arthur, je veux dire, le motif de l'inceste sacré, alors là, dans le Graal, il y en a plein. C'est le moins qu'on puisse dire. En parlant de droit, d'ailleurs, oui. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Effectivement, il y avait... par exemple, chez les Celtes ou à Sumer... les rois en fait prenaient le rôle en fait du jeune dieu bien sûr. Effectivement faisaient un mariage sacré avec la déesse soit au début du printemps ou avec la représentante bien sûr, oui, une... Parce que bon. Effectivement, oui. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans les textes anciens on parle de ce que nous avons appelé prostituée sacrée. Or, le terme d'origine, c'est le cours. Je prends les textes tels qu'ils ont été traduits par Cramer, puis traduit en français par Bottero, mais Bottero et Cramer ont beaucoup discuté. Ce qui est extraordinaire, c'est que le terme prostitue sacré est traduit par oblate, ce qui ne veut pas dire exactement la même chose. Autrement dit, c'était la représentation, c'est le corps de la déesse tel qu'il était manifesté à travers ses prêtresses. Et donc le roi s'unissait avec la prêtresse suprême, c'est-à-dire avec la représentation de la déesse. Mais comme dans un texte celte, comme la Radia des vaches de coulée, on voit la reine Meb au départ, ce qui a donné la reine Meb chez Shakespeare. La reine Meb voulait dire la reine ivresse, qui déclare « j'ai la cuisse accueillante ». Alors, c'est un terme que très longtemps on n'a pas compris. Cela voulait dire qu'en réalité, elle s'unissait avec tous les rois, tous les hauts rois de l'Irlande, les uns après les autres. Parce qu'elle était la représentante de la déesse, et que justement en tant que telle, elle procurait l'ivresse. C'était cette ivresse sacrée dans laquelle on s'accouplait effectivement avec le principe féminin qui était représenté par elle. Donc avec les dogmes de l'Immaculée Conception en 1854, de l'Assomption en 1950, est-ce qu'on ne se dirige pas tout doucement vers un dogme de Marie co-rédemptrice de l'humanité? Et donc effectivement, forcément un passage d'une trinité à une quaternité, quoi. Mais déjà la quaternité, elle est déjà là avec l'Assomption, quelque part. Mais en même temps, la quaternité, elle n'est pas acceptée par l'Église telle qu'elle est actuellement. On en revient à ce que disait
le père Sabelot, vénérable dominicain par ailleurs, en disant oui, alors psychologiquement on peut la prendre pour une déesse, théologiquement non. C'est-à-dire qu'à la limite on peut le croire à condition de ne pas trop le dire ou de ne pas essayer de le penser. De cette manière, oui, c'est cela que ça veut dire. Non, mais ce qu'on oublie, c'est que la Trinité, dans le paléo-christianisme, on a beaucoup discuté pour savoir si la Trinité était purement masculine ou si la Trinité était masculine et féminine. Et on s'aperçoit que toute la philosophie religieuse russe, toute la tradition de la sophiologie, de cette manière, ça reprend justement cette manière de penser qu'il y avait aussi une dimension féminine à l'intérieur de la divinité. Et là-dessus, moi je ferai appel à quelqu'un comme Nicolas de Cuse, et je pense qu'il a entièrement raison, c'est-à-dire que si on admet qu'il y a un abîme du divin, lorsque cet abîme se manifeste, il se manifeste par conjonction des opposés. Autrement dit, il se manifeste par le haut et par le bas, bien sûr, mais aussi par le masculin et par le féminin. Et que donc, c'est pour ça que je parle tout le temps du visage féminin du divin. Parce que honnêtement, moi, personnellement, je suis un sectateur d'Isis, je suis un sectateur de Kali, je ne m'en cache pas. Mais en même temps, j'ai tout à fait conscience que ce n'est que l'un des visages du divin manifesté. C'est celui qui me parle. Donc c'est celui à laquelle je crois. Mais je sais très bien que ça ne désigne pas le divin en tant que tel. Dans son abîme, ouais. C'est-à-dire que quand on sort le divin de son abîme, on est obligé de lui donner un genre. Ben, on est obligé de lui donner un genre, oui, effectivement. Donc tant qu'à faire... C'est le père ou c'est la mère. Voilà, donc tant qu'à faire, autant... Donc, je reconnais que moi, je crois en la mer. Bon, ben voilà, c'est ma structure, disons. Ouais, ouais. Alors, quand on voit l'évolution historique de la dogmatique, surtout par rapport à la Vierge, est-ce qu'elle correspondrait en fait à une évolution historique de la conscience humaine ou à la limite de la psyché collective, en fait ? Honnêtement, je ne le crois pas beaucoup. D'accord. Je ne le crois pas beaucoup parce que je crois à la vraie établissement qu'il y avait quand même l'imposition du pouvoir des hommes. Mais même si je prends l'Église, on voit très bien que l'Église, quand même, ça a été tout le temps une affaire d'hommes. Que le moment où l'Église admet les femmes, c'est le moment du grand schisme d'Occident. C'est-à-dire le moment où, après la querelle des Albigeois, dans laquelle l'Église est quand même énormément remise en question. En gros, ça va, je dirais, du 12e au 15e siècle, dans laquelle, effectivement, on voit une efflorescence de mystique féminine. Que ce soit Angèle Foligno, que ce soit Marjorie Campbell, que ce soit Julienne de Norwich, etc. Et dès que le dogme va être, dès que le schisme va être comblé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une seule église d'Occident, parce que je rappelle quand même qu'il y a eu un moment où il y avait trois papautés différentes, à partir du moment où il n'y en a plus qu'une seule, les hommes ont repris le pouvoir. C'est-à-dire que le mystique féminin, on n'entend quasiment plus parler en dehors de Sainte Thérèse d'Avila. Et encore Sainte Thérèse d'Avila, quel mal elle a eu à s'imposer, de cette manière. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que vraiment c'est représentatif de l'évolution de l'humanité ? Ce que je me demande, si ce n'est pas une manière très occidentale de voir, à nouveau. Dans cette espèce de... L'histoire, c'est aussi l'histoire des progrès que nous avons marqués. Est-ce que c'est si sûr que ça ? Est-ce que ce n'est pas le mythe que nous nous racontons à nous-mêmes, de cette manière ? Autrement dit, je me pose la question, et c'est là où je suis très différent de Jung, je le reconnais, mais de toute la psychanalyse de manière générale, et d'une certaine partie de l'anthropologie, est-ce que le progrès lui-même n'est pas un mythe ? Est-ce que nous ne sommes pas véritablement les spectateurs de Prométhée, d'une certaine manière ? Oui, parce que Jung, il me semble que lui, il voit un progrès dogmatique, et puis pour arriver, pour lui, à la quaternité. Quoi. Non, mais dans son siècle, ça me semble tout à fait normal. Il croit encore au progrès. Est-ce que le progrès, est-ce que c'est de l'ordre du mythe ou pas ? Mais en même temps, il faut bien comprendre que je pense que c'est le mythe qui nous fait vivre. Et que donc le mythe, c'est la manière dont nous essayons de nous expliquer à nous-mêmes un certain nombre de choses qu'en réalité, nous ne comprenons pas. Donc, quand je dis que le progrès est un mythe, ça ne veut pas dire que le progrès n'existe pas. C'est-à-dire que je me pose des questions sur sa validité. Est-ce que c'est le mythe qui me parle à moi ? C'est tout. Shira shirim asher ishlomo Yishakini min shikot pihu. Jusqu'au 7e siècle avant notre ère, Yahweh avait une parèdre, Asherah, vénérée par les Hébreux. Et les prophètes, en fait, et les rois, en particulier le roi Josias,
ont eu bien du mal à la faire oublier à leur peuple. Oui, ça a été compliqué, mais encore aujourd'hui. Parce que vous prenez quelqu'un comme André Lemaire, bon catholique, bon, qui vous explique que Asherah, non, c'était pas la parade de Yahweh, ce n'était qu'un arbre sacré. Ce qui est embêtant, c'est que les arbres sacrés, c'était le corps de la déesse. Donc, de cette manière, il essaie de dire non, ce n'était pas ça, et il ne se rend pas compte qu'en disant non, ce n'était pas ça, il dit d'autant plus oui, c'était ça, effectivement. Et oui, c'est ce qu'on oublie, non, mais ce qu'on retrouve encore chez Jérémie, quand Jérémie parle des malheurs du peuple, et où il dit est-ce qu'un père, est-ce qu'une mère abandonne ses enfants? Alors on a traduit par je suis un Dieu de miséricorde. Mais sauf que c'est bien sur la racine RHM. RHM, ça veut dire la matrice. Ça m'a été confirmé et par Chouraki et par Charles Mopsik. Tous les deux qui connaissaient quand même l'hébreu beaucoup mieux que je ne le connais parce que je ne prétends pas le connaître. Mais bon, de dire quand même je suis un Dieu de la matrice. Et on voit Saint Jérôme qui traduit par in utero meo, dans mon utérus. Saint Jérôme, au moins, il était honnête. Va-t-il pas chester malheur, va-t-amoud, bachat-sabet ameler apnimit, nochach-bet ameler. Le veau d'or que fabrique et adore le peuple hébreu, quand Moïse dans l'Exode tarde à redescendre de la montagne, est-ce qu'on ne peut pas voir aussi en fait, dans ces idoles, donc en particulier le veau d'or, un reste de la déesse, ce qui me fait penser aussi au statut des bovins dans l'hindouisme, où la vache est Gaumata, c'est-à-dire vache mère, mère universelle, et donc déesse mère. Oui, bien sûr, non, mais le problème, c'est que nous avons toujours vu l'épisode du veau d'or tel qu'il a été, disons, compris par les Hébreux, puis tel qu'il a été compris par l'Église. Et la question qu'on peut se poser, que certains archéologues ont posé, qui est de dire, mais est-ce que le veau d'or n'est pas que la figuration du taureau divin, c'est-à-dire de l'aspect masculin de la déesse, de cette manière. Bon, alors ça, évidemment, on l'a complètement oublié. Mais en même temps, dès qu'on lit la Bible, je vois, moi, dans mon enfance, suivant les leçons du catéchisme, on ne m'a jamais parlé que des patriarches. Alors si on lit la Bible, et ça a été bien mis en valeur ces dernières années, on s'aperçoit qu'il y a un rôle quand même énorme des matriarches, de ce qu'on appelle les matriarches, autrement dit Ruth, etc. Et comment sans elle, il n'y a pas d'histoire sainte. Et comment Moïse lui-même, quand même, on est obligé de se dire que lorsqu'il s'enfuit d'Égypte, au départ, qu'il trouve le prêtre médianite avec qui il va se marier avec sa fille. Bon, c'est quand même auprès des, je dirais, des infidèles, auprès de ceux qui croient en un pouvoir divin qui n'a strictement rien à voir avec ce que nous a transmis la tradition. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que même lorsque Moïse grimpe sur le mont Sinaï, là évidemment, bon, il faut faire un tout petit peu d'étymologie, mais le Sinaï, c'est la montagne du dieu Sin. Il suffit d'entendre le nom. Et le dieu Sin, c'est le dieu Lune. C'est le dieu Lune par rapport à la déesse Soleil. Alors ça, on l'a complètement oublié, évidemment. Mais en même temps, c'est ce que porte le texte. Des aspects des théologies féministes contemporaines. Enfin, c'est un processus un peu de réaction, ou d'énantiodromie, comme disait Jung. Le féminin cherche à contrebalancer l'unitéralité masculine de la théologie. Et ça, en fait, dès que la théologie en fait, entame sa période scolastique, au détriment des aspects pneumatiques, donc dès le XIIe siècle, le XIIIe siècle, etc. C'est-à-dire que c'est précisément à partir d'Abélard et de Thomas d'Aquin, et comme en réaction à ce qu'ils initient, qu'on va avoir les Béguines, la mystique nuptiale, mais aussi Hildegarde de Bingen, Brigitte de Suède, enfin, Julienne de Norwich, un peu plus tard, vous en avez parlé tout à l'heure, qui, enfin, toutes ces trois saintes du XIIe au XIVe siècle vont commencer d'inoculer, on va dire, du féminin dans la culture théologique de leur époque. Oui. Et bon,
Alors, il y a eu des régressions, hein, on a parlé. Des féminins qui a été quand même. Oui. Bien clos, hein, par la suite. Oui, absolument. Voilà. Mais en tout cas, on en vient à l'heure actuelle. Il y a divers courants, on va dire, de théologie féministe. Alors, certaines considérant en fait qu'on peut transformer le christianisme de l'intérieur, et d'autres en fait qui considèrent que finalement il faut passer à autre chose. Qu'il faut passer à autre chose, qu'il est intrinsèquement patriarcal et qu'il faut jeter le. Historiquement, il l'est. Je pense qu'on aurait pu avoir un tout autre christianisme, mais enfin, historiquement, c'est la femme qui nous a appris. Voilà, donc vous pensez qu'on pourrait le travailler intrinsèquement et... Non, honnêtement, mon choix, mais c'est un choix purement personnel, ouais. C'est qu'il n'y a rien à attendre du christianisme. Il faut passer à autre chose. Qu'il faut passer à autre chose. Mais bon, je me trompe peut-être. Hein. Mais je pense honnêtement que le christianisme est complètement en bout de course. Qu'il vivra encore peut-être 100 ans, 200 ans. Parce que, vous savez... Les formes mythologiques, c'est toujours très très long, très très long à mourir. Rappelons-nous que l'Empire romain, dès Auguste, de cette manière, on sait qu'il est condamné. Il faudra 400 ans pour mourir. Donc tout ça, on croit toujours que ça va arriver demain, ça n'arrive pas demain, ça arrive après-demain, disons. Bon, mais moi je pense, je dis bien je pense. Hein. Donc je ne le présente absolument pas comme une vérité établie. Mais je pense qu'effectivement, que le scénario mythique, le scénario archétypique du christianisme est arrivé en bout de course et qu'il faut replonger ailleurs. Mais je ne garantis absolument pas mon opinion. Ce n'est qu'une opinion. Pour continuer dans cette lignée des théologies féministes, en fait, elle se développe principalement dans les aires culturelles protestantes, en particulier anglo-saxonnes, ouais. Ce qui est assez logique étant donné que les églises protestantes sont normalement amenées à se remettre sans cesse en question. Luther disait que l'église n'est aucunement infaillible et qu'elle doit donc se réformer sans cesse. Alors je sais que Jung, en fait, il louait les avantages d'ordre symbolique du catholicisme sur le protestantisme. Mais est-ce que ce n'est pas précisément cet ordre symbolique, intouchable, qu'apportent les dogmes, les rites, les sacrements, qui fait barrage justement au féminin ? Oui, ben attendez, lorsque vous parlez de Jung, on voit très bien qu'effectivement, il fait toujours l'apologie de la symbolique catholique. Absolument. Mais en même temps, il était protestant, il est toujours resté protestant. Je sais bien. Oui. Autant que je sache, il a écrit même un texte, « Pourquoi n'adoptais-je pas le catholicisme ?» Et il explique très bien que, présentement, il y a dans le protestantisme quelque chose qui s'appelle la liberté de penser, et que ça, c'est inaliénable, qu'il n'est pas question d'y renoncer d'une manière ou d'une autre. Que la symbolique, c'est très bien, mais en même temps, il s'agit de vivre. Et c'est là où il me semble que on n'a pas à choisir entre protestantisme et catholicisme. Je me disais, si les chrétiens étaient un tout petit peu finaux, ils diraient qu'éventuellement, il y a des choses à prendre dans le protestantisme, il y a des choses à prendre dans le catholicisme. Que ce sont deux plans complètement différents, et qu'il s'agit de les conjoindre, éventuellement s'intéresser un petit peu à l'orthodoxie. Parce que nous, évidemment, nous sommes des occidentaux de l'ouest du continent, donc on a tendance à penser qu'il n'y a que le catholicisme et le protestantisme. Je veux dire, il y a quand même autre chose. Et éventuellement, je ne parle même pas des églises du Proche-Orient ou de l'église indienne. Alors là, on découvrirait encore beaucoup d'autres choses. Mais c'est là, en même temps, où je me dis que... Est-ce que nous sommes obligés d'en rester à cette dispute-là ? Est-ce que ce n'est pas une dispute qui est très marquée par l'histoire de l'Occident, de cette manière ? Alors une des croyances contemporaines qui est en lien avec ces déesses supposées par Marie-Jarrigue Mutas, dans ce qu'on appelle le néopaganisme,
souvent liées à l'écologie, puis à des formes de divinisation de la nature, mais qui s'inspirent aussi peut-être de la célèbre hypothèse Gaïa de James Lovelock, pour qui notre planète est une forme de super-organisme. Alors, je pense par exemple au rassemblement que d'aucuns appelleront New Age, à Stonehenge en Angleterre, où le choix d'un site qui date du néolithique témoigne clairement de l'inspiration des protagonistes. Oui, enfin, là-dessus, je suis toujours très réticent. Je suis toujours très réticent parce que je me rappelle Lovelock, des conversations avec lui, dans lesquelles il me disait, oui, mais c'était un symbole. Lorsque je parlais de l'hypothèse Gaïa, eh bien, hypothèse Gaïa. Non, c'est quelque chose que je proposais. Et donc, on l'a pris littéralement, d'une certaine manière. Et c'est là un petit peu le problème, ceci dit, qu'il y a un lien entre notre perception de la nature. Il ne faut pas oublier que nature, c'est quand même le participe futur natura du verbe nascor, du verbe naski, autrement dit naître. C'est ce qui est en passe de naître, d'une certaine manière. Donc ça a à voir profondément avec la maternité et donc avec la féminité. Bon, qui est une espèce d'adéquation entre le féminin et la nature, là-dessus, je serais d'accord. De là à penser que la Terre elle-même est un ensemble autorégulé, d'une certaine manière, ça me semble quand même assez hasardeux. Et ce qui me gêne beaucoup dans les manifestations de Stonehenge, je le reconnais, c'est que souvent, on confond avec quelque chose, disons, de l'ordre du celtisme. Alors que Stonehenge, vous avez bien dit, c'est de l'époque néolithique. Et comme, je veux dire, toutes les interprétations de Stonehenge d'une manière astrologique ou d'une manière astronomique, puisqu'à l'époque, de toute façon, entre astronomie et astrologie, on ne faisait pas la différence, elles me semblent assez vraisemblables, disons, mais à nouveau, je suis obligé de dire, mais qu'est-ce que nous en savons? Qu'est-ce que nous en savons? Parce que, est-ce que ce n'est pas notre manière à nous de regarder? Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'indices qui peuvent laisser penser. Mais je dis bien laisser penser. C'est là où je pense qu'un tout petit peu de rigueur, quand même, ça ne peut pas faire de mal. Un livre comme « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pinkola Estes, livre qui a connu quand même un succès international. Est-ce qu'on peut dire que le succès de ce livre marque un retour de la déesse mère de nos sociétés postmodernes? Retour sous la forme d'un féminin sauvage, indompté? Mais pour dire la vérité, j'aimerais bien le croire. J'aimerais bien le croire, et qu'il y ait un retour du féminin actuellement. Ça me semble incontestable. Est-ce que ça va être vraiment le féminin reconnu en tant que tel? Ça, j'en suis beaucoup moins sûr. Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que dans notre propre culture, autrement dit dans la culture occidentale, il y a eu un retour du féminin au XIIe siècle, avec Tristan Iseut. Puis il a été complètement oublié. Il a été, je dirais, scraffé par l'Église. Puis à la Renaissance, on voit très bien... La mère Jeanne à Venise, etc. Il y a aussi un retour du féminin, où le livre de Agrippa de Nettesheim, qui essaie de montrer que les femmes sont les égales des hommes, alors à l'époque c'était absolument énorme, et puis ce retour tourne court de cette manière, et avec le romantisme allemand, je pense que nous assistons aussi à un retour du féminin. C'est là où je me dis, l'histoire nous apprend que le retour du féminin, souvent les hommes se débrouillent très bien pour arriver à évacuer. Donc, est-ce que le retour auquel nous assistons aujourd'hui est un retour qui va tourner court à nouveau, ou est-ce qu'il va réellement s'imposer? Je n'en sais strictement rien. En même temps, je me dis, nous avons tous à faire ce que nous avons à faire, au plan où nous en sommes. Donc, quant à moi, disons, j'essaie d'aider à ce retour, mais est-ce qu'il va réellement déboucher ou pas? Là, je pense qu'il faut être un tout petit peu humble. En tout cas, en ce moment, il revient parfois sous une forme extrême. Je pense aux Femen, qui font beaucoup parler d'elle en ce moment. C'est ce mouvement féministe radical d'origine ukrainienne qui organise entre autres des actions dans des lieux religieux symboliques, comme par exemple dans Notre-Dame, pour protester contre l'influence patriarcale des religions sur la société. Alors, est-ce que ce type de mouvement marque aussi le retour du féminin, ou alors, enfin, qu'est-ce que vous en pensez des Femen, ces femmes qui font des actions, les seins nus Honnêtement, ça me semble assez sympathique. Voilà.
Ça me semble assez sympathique parce que je me mets à la place des femmes. Je comprends très bien qu'elles en aient marre de 2000 ans, largement plus de 2000 ans d'ailleurs, parce que si on remonte aux origines judaïques, ou même aux origines gréco-latines de notre civilisation, ça fait, disons, 3000 ou 4000 ans, et qu'elles en aient marre de la domination masculine. Effectivement. Bon, mais en même temps, à nouveau, est-ce que ça va amener quelque chose ou pas? Je n'en sais strictement rien. Mais je pense qu'il est toujours bon de s'inscrire en faux contre notre tradition culturelle. Bon, et comme je suis un homme, je le dis très tranquillement. Alors, à tout autre type de manifestation contemporaine, de l'archétype de la déesse mère éventuellement, j'aimerais faire un petit détour par la France du XXe siècle et avoir votre avis concernant des personnalités comme Maurice Barrès ou Charles Maurras. Maurras, dont De Gaulle dira tout de même qu'il avait tellement raison qu'il en est devenu fou. On peut admirer au passage l'éclat paradoxal de cette formule de De Gaulle. Mais est-ce que ce n'est pas chez eux, en fait, un rapport tout particulier à la mère archétypique qui se manifeste par un amour de la terre de France, amour quasiment mystique de la terre de France, comparable, me semble-t-il, à l'amour porté à une déesse mère. Et je parle là dans l'inconscient, parce que je pense pas que Maurras voyait consciemment l'action d'une déesse mère. Sans doute, il était conscient de quelque chose de l'ordre. Il ne croyait quasiment à rien, on le sait bien. Il s'est rallié à l'Église parce qu'il trouvait que l'Église, elle assurait l'ordre dans la société. Donc mais il y avait quand même un amour de la terre de France. Sûr. Mais d'où vient-il dans l'inconscient? Est-ce qu'il n'y a pas l'action d'une déesse, quelque part? Je pense que oui. Je pense que oui, mais qu'en même temps, le problème, c'est est-ce qu'on en est conscient ou pas? Ah, mais il n'en était pas je conscient. Je pense que dans le cas de Maurras et de Barrès, il n'en était pas très conscient. Tandis que dans le cas de De Gaulle, il suffit de lire ses mémoires de guerre, nous adorions la France comme la Madone aux fresques des murs. C'est-à-dire transmis par sa mère. Et il y avait une prise de conscience qu'en même temps, pour lui, qui était très catholique, Dieu le Père était au-dessus. La Vierge Marie n'était jamais que la mère du Christ, de cette manière. Et donc la France était assimilée à ce que Saint Bernard appelait la médiatrice auprès du médiateur. Donc ce n'était pas exactement la même chose. Et c'est là où je pense que la prise de conscience ou pas fait quand même une différence énorme.